se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine, vidéo que vous préférez sur ma chaîne. Alors c'est le journal numéro 58. Je voulais d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui se sont abonnés sur la chaîne cette semaine. Vous continuez à être nombreux à vous abonner, ça c'est super. Donc pour les nouveaux et nouvelles, j'explique en deux mots ce que c'est le journal créatif de la semaine. C'est, je vous montre donc tous les dimanches. Je vous montre tous les dimanches tout ce que j'aurais pu broder dans la semaine. Mais aussi si j'ai fait du tricot, du crochet ou un autre loisir créatif, je vous le montre également. Alors, comment dire cette semaine? Cette semaine a été petite au niveau des créations. Donc, je vais déjà m'excuser. Malgré que je sais que vous allez me dire, t'as pas à t'excuser. Cette fois-ci, je ne pense vraiment pas que la vidéo fera les 2 heures. Parce que, comme je vous ai dit, la semaine a été un peu comme ça. Rendez-vous chez le docteur. Chouchou et moi, on était malades. Ça n'a pas duré longtemps, hein. C'est une journée ou deux, mais bon, ça nous a mis à plat tous les deux. On a dû bouger plusieurs fois pour je sais même plus quoi, mais enfin, c'est pas très grave. Voilà, Fifi. et également. Il y a eu les courses, tout ça. Il y a eu un peu de jardin parce que cette semaine, c'était le ramassage de la verdure. Donc, il a fallu que je fasse un petit peu en vitesse le jardin entre deux averses. Et ici, c'est aujourd'hui. J'ai eu Jiri qui était malade. J'ai Jiri, donc mon Yorkshire, qui était encore malade. La semaine dernière, il avait déjà été malade. J'avais été au vétérinaire avec lui. Et là, j'y suis retournée aujourd'hui parce qu'il était encore patraque. Et puis, il marchait un peu de coin. Donc, la véto, malgré qu'on est samedi, m'a pris tout de suite à 8 heures. Il y a de l'arthrose, hein, c'est un petit pépère, hein. Ça, bon, on peut rien y faire, hein, c'est comme pour nous. Mais il a peut-être un problème à la prostate. Là, elle a remarqué que c'était gonflé et qu'il avait mal quand elle touchait. Donc là, il a eu une piqûre. Et là, il y a des antibiotiques pour une semaine. Là, demain matin, malgré que c'est dimanche, je dois lui téléphoner pour lui dire comment il va. S'il ne va pas bien, j'irai demain chez le vétérinaire. Super, elle me prend le dimanche. Et si ça va à peu près, je la rappelle lundi. Et elle me redonnera un rendez-vous pour lundi ou mardi. Voilà. Et parce qu'elle lui a fait une prise de sang. Et donc, elle aura les résultats de prise de sang en même temps pour voir s'il y a quelque chose qui n'irait pas. Ou, voilà. Donc, comme elle a dit, la prostate, là, avec les médicaments, ça devrait se calmer. Mais s'il y aurait un autre problème, ça peut être une tumeur ou voilà, à l'extrême. Donc, suivant les résultats de la prise de sang et suivant son état, par la suite, il y aura peut-être une échographie, mais bon, on verra. Là,
Là, sur ce soir et fin d'après-midi, il allait bien. Donc, je pense pas qu'elle voudra le voir demain, mais bon, on verra. Et cet après-midi, j'ai dû m'occuper de Fifi, mais avec ma belle-fille. Parce que je vous avais expliqué, Fifi avait des gros nœuds hein, sur le ventre. Et pourtant, je la brosse et tout, mais bon, c'est vrai qu'avec le poil qu'elle a, la longue, ça fait des nœuds. Et toute seule, au niveau du ventre, j'avais beaucoup de mal. Et comme ma belle-fille, elle a 7 chats, elle s'en occupe beaucoup, ils prennent même le bain. Et hop, à la douche, les chats. Donc, elle est venue m'aider pour qu'on fasse tout belle. Fifi, à ma Fifi. Fifi. Bon, elle a fait un petit peu la tête. Parce que ça ne lui a pas toujours bien plu qu'on lui enlève ses nœuds. Ah, mon but. Mais alors maintenant, elle est douce. Oh, elle est toute douce. Il y a maman. Il y a montré à maman que tu es belle. Oh, regardez-moi que je suis belle. Non, elle ne veut pas. Regardez-moi que je suis belle. Donc, pendant ce temps-là, je n'ai pas brodé non plus. Donc, la semaine n'a pas été... non, pas tes fesses, s'il te plaît. Fifi, la semaine n'a pas été très productive. Mais bon, des fois, ça arrive. Hein. Alors, si tu t'assois sur mon carnet, je peux pas expliquer aux copains et aux copines. Là, alors vous savez que je fais un tirage au sort avec la roue. Donc, la semaine dernière, j'avais tiré au sort. Mon sal Alice au pays des merveilles, le sal du nouvel an, ma grenouille de poussière d'étoiles, mon HAED du paysage, ma steampuck, et j'avais mes duos Lily Point et les broderies sur la cuisine, et en estampé, j'avais choisi le cheval. Ensuite, il y avait, vous savez qu'avec le gang des Québécoises et moi, on fait le September Sampler. Et donc, c'est-à-dire que pendant tout le mois de septembre, on brode nos broderies qui représentent donc des samplers, des quakers, des patchworks. Et ça, ce sera tout le mois de septembre. Et donc pour ce petit challenge, si on veut, ce petit événement, je devais broder mes pans royaux de Forest, mon Long Dog Sampler, le Sampler 124 que je fais avec Sonia, le Patchwork Quaker que je fais avec le gang des Québécoises, mon Autumn Quaker, mon Halloween Quaker, le Caroline Manning, et Floralie de jardin privé. Alors, comment vous dire que j'ai pas fait tout ça cette semaine, j'ai vraiment pas pu, mais j'ai quand même brodé tous les jours, mais des petites quantités. Voilà, mais bon, j'ai également mon challenge que je fais toutes les semaines, où je prévois de broder au moins 3000 croix par semaine. Voilà, donc on verra après si j'y suis arrivée ou pas. J'avais aussi mes tricots pour le soir, mes tricots, et j'avais également mon crochet, mon châle avec le crochet. Bon, du coup, cette semaine, je pensais sortir ma couverture au crochet, mais j'ai pas pu. Voilà. Mais bon, je me rattraperai la semaine prochaine, ça ira mieux, en espérant qu'il n'y aura plus personne de malade. Et quand il n'y aura pas de rendez-vous au médecin ou quoi que ce soit.
Oui, puis j'ai aussi un ouvrier qui est venu. Oui, c'est un ouvrier, c'est un technicien. Vous savez qu'il fait une visite par an dans la maison, voir si, comme nous, on est en bailleur social, il regarde si tout va bien. Voilà. Donc, on a eu sa visite aussi. Ben, du coup, pareil, pendant qu'il était là, j'ai pas brodé. Alors, on va commencer par un dimanche. Dimanche, j'ai fait ma broderie. Hop. Fifi, allez, bouge mon bébé. Vas-y, va manger. Ma broderie, la confiture, que je fais en duo avec Isa et Armel. Oui, les filles, je suis toujours sur la confiture. Elles en sont à la deuxième, c'est-à-dire le modèle avec les œufs. Et moi, j'en suis toujours au premier. Bon, j'ai quand même travaillé un peu dessus. J'ai fait quoi? Ouais, plus ou moins 250 croix, puisque là, c'est l'estampé, donc. Mais je suis toujours là-dessus. Alors, je vous montre derrière pour vous montrer ce que j'ai brodé. Voilà. Donc, il n'est pas fini encore. Hein. Du coup, ça me met en retard pour la deuxième broderie. Mais bon, avec moi, vous avez l'habitude. Hein, je suis toujours en retard. Mais là, c'est vrai que j'ai pas pu avancer plus. Voilà. Alors, désolée si vous trouvez que ma voix est bizarre, mais avec tout ça, ma langue me titille en ce moment. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, qui savent pas, depuis plus de 15 ans. Ouais, bah, j'ai 15-16 ans, mais c'est peut-être plus. J'ai un syndrome, ça s'appelle la glossodynie, c'est des douleurs à la langue. Et quand j'ai des contrariétés, la fatigue, malade, tous les trucs négatifs, bah, j'ai des douleurs. Et du coup, cette semaine, comme ça n'a pas été top top, ben voilà. Donc, je m'excuse par avance, si par moment j'hésite pour parler ou si je parle d'une drôle de façon. Mais on va y arriver. On va savoir la faire, cette vidéo. Donc voilà, bon, la confiture. Donc demain, en faisant le montage de la vidéo, ben, je vais continuer de la broder. Je vais essayer d'accélérer le pas quand même. Donc là, vous voyez, il y a déjà un pot de confiture qui est presque fait. Les petites étiquettes ici, là, le petit truc. Non, là, c'est un pot, pardon. Là, il y a une étiquette, mais elle est commencée, mais pas finie. Voilà, les fruits sont faits, là. Là, il y en a. Ils sont faits, ils sont pas terminés. C'est ce que je regardais, mais ils sont pas encore terminés. Voilà. On verra. Je peux pas faire plus. Hein. Je vous dis, il y a des semaines comme ça où quand ça veut pas, ça veut pas. Ensuite, alors, je vais prendre mon crayon comme ça. Je coche ce que je vous ai montré. Le dimanche soir, j'ai enfin sorti ma broderie du cheval, mon estampée. Ça fait un moment qu'elle est commencée, celle-là. Bon, je sais, vous verrez pas beaucoup. J'ai un fil qui se promène là, je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, il avait envie de se promener. À vue d'œil comme ça, vous verrez pas trop ce que j'ai fait. Mais j'ai avancé dessus, j'ai fait pareil, plus ou moins 250 croix. Donc voilà mon cheval.
Et là, ce que j'ai fait, j'ai rempli les petits trous, donc un peu ici à l'œil, ici sur le dessus, là j'ai rempli. Qu'est-ce que j'avais encore fait? Là, ici aussi, sur le harnais, j'ai rempli des manquants. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, hein. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, bon, ben, j'ai avancé dessus, hein. Je l'ai sorti, j'ai avancé. Il faudrait que maintenant je continue, ce serait bien. Parce que là, ça fait vraiment très longtemps qu'il est commencé. 2 ans, ouais, peut-être plus. Mais bon, comme je vous avais expliqué, niveau d'estampé, c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein, l'estampé. Donc voilà, je peux pas, j'arrive pas à être accro, accro, accro dessus. Mais bon, vous savez, hein. Vous savez que depuis plusieurs semaines, j'ai instauré la broderie du lundi. Alors, la broderie du lundi, c'est une broderie que je prends dans les broderies qui ont été choisies avec le tirage au sort ou dans le September Sampler. J'en prends une au hasard. Enfin, au hasard, j'essaye de prendre celles, alors soit qui ont eu beaucoup de retard, ou celles qui sont près d'être terminées. Là, moi, j'ai choisi le Caroline Manning. Donc, je fais le Garden Gift. Alors, comment vous dire? Il n'est pas très en retard. Et il n'est pas encore tout à fait près de la fin non plus. Mais j'ai voulu l'avancer un maximum parce que c'est une petite broderie. Voilà, c'est une petite broderie. Et plus vite ce sera fini, bah plus vite je serai tranquille. Tout simplement. Alors. Parce que j'ai les fils qui se baladent à droite, à gauche. Mais là, j'ai super bien avancé dessus. Je suis contente. Voilà. Donc là, après, il n'y aura plus rien à broder. Hein, voilà. Là, je suis pareil. De ce côté-ci, il n'y aura plus rien à broder. Donc là, tout le bas, tout le carré était déjà fini avant, mais donc tout le bas ici est terminé. J'ai même fait les points arrière, ici et ici. Voilà. Donc il me reste la partie du haut ici, un petit peu sur le côté, là. Et ici, on va dire qu'il reste la moitié à faire. Voilà. Je vous montre les couleurs comme ça. Très très sympa à faire. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit terminé. Alors, c'est l'ouvrage sur lequel j'ai le plus brodé cette semaine. Là, j'ai fait 700 croix tout rond, plus le point arrière. Donc, je ne sais pas combien je peux considérer le point arrière, je n'ai pas compté. Mais voilà, donc je suis à 700 croix. En tout, j'en ai brodé 4580. Il est chouette, hein? Donc là, du coup, en le prenant pour la broderie du lundi, ben, il a pris un gros coup de boost.
Et bah, ça me motive encore plus pour pouvoir le terminer. Voilà. Bon, celui-là, je le coche. Là, c'est les grandes. Ici. Alors, je l'ai mise où? Voilà. Attendez, je perds une bobine de fil. Voilà. Bon, j'ai pas rattrapé mon retard, mais c'est pareil. Je me prends pas la tête, hein. De toute façon, là, je fais des bêtises aujourd'hui, ça ne fait pas. De toute façon, même si j'ai du retard, eh ben, j'ai du retard. Voilà, c'est tout. C'est le sale Alice au pays des merveilles. Voilà. Donc j'ai terminé le guéridon et j'ai fait les deux la grosse bouteille là. Et là, alors je sais pas si c'est un verre ou mais bon. Et il y a eu un petit peu de poirière dessus. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Drink me. Voilà. Bois-moi. Donc j'ai toujours pas fini cette étape-là, en sachant qu'il y a encore une étape ici à faire d'ici le 30 septembre. Donc ben, on verra bien si j'ai réussi à rattraper ou pas. Je m'embête pas. Alors, j'ai fait 250 croix. Voilà. Je suis vraiment désolée. Hein, j'ai beaucoup de mal à parler. Donc, 250 croix. Mais voilà. Donc là, je dois terminer la frise. Là, j'ai comme une paire de gants, je crois, à faire. Et puis, un genre de petit éventail ou je ne sais pas. Mais sinon, il est très agréable à faire. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, le sale, c'est moi qui l'organise sur mon groupe de broderie. Et j'avais proposé les deux versions, parce que c'est un intermodèle de chez All Forest. Et il y a la version trois couleurs, comme la mienne, voilà. Et il y a la version multicolore. Je n'ai pas voulu prendre multicolore. J'ai trouvé que ça suffisait. Pour broder sur ma toile étamine du point 6 fils couleur olive. Voilà. Et ça va. J'aime beaucoup. Bon, on essaiera de rattraper le retard. Hop. Alors, celle-ci, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là, bien sûr, c'est le dernier. J'ai avancé, ça je l'ai fait quand? Hier, je l'ai fait hier. J'ai avancé mes Floralie, voilà. Hop. Donc j'ai brodé cette fleur ici, voilà. Et j'ai commencé la petite barrière. Alors, la petite barrière, ça, bon, peut-être parce que là, il n'y a qu'une seule partie. J'ai fait la couleur qui est préconisée, c'est-à-dire 36, 30, alors, je ne sais jamais si c'est 38, 60, ouais, je crois, 38, 65. Mais je n'ai pas l'impression qu'on voit bien, bien la barrière. Voilà. Et,
Bon, sinon je laisserai un, et puis c'est tout. Ou alors je ferai peut-être un, vous voyez, un point arrière, par exemple, que d'un côté, pour faire comme si c'était une ombre et pour marquer un peu plus la barrière. On verra. Je vais déjà la broder entièrement, la barrière. Là, il y aura encore un motif, bien sûr. Donc, on verra bien. Donc, normalement, alors là, au début, je suivais les étapes, mais là, bon, le sale est complètement terminé. Donc, normalement, j'aurais dû repartir de l'autre côté, ici, pour refaire deux fleurs. Mais pour pas bouger mon tambour, j'ai préféré commencer, du coup, la barrière qui est là. Mais, je sais pas, le blanc comme ça. Non, mais je crois que je mettrai un petit point arrière que sur un côté pour faire comme une ombre pour marquer un peu plus. On verra. Je vais d'abord broder entièrement et je verrai après ce qu'il y a besoin. Voilà. Donc pareil, c'est brodé sur une toile étamine 12,6 fils. C'est une couleur vert très, très pâle, mais ah oui, avec des petits points blancs. Voilà. Alors, les floralies, j'ai fait plus ou moins 400 croix. Voilà. Donc, j'ai bien travaillé dessus quand même. Ceci. Alors, celle-ci est toujours aussi agréable à faire. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que au montage de la vidéo, je vous aurais très certainement remis la photo. Enfin, je ne sais plus si j'ai eu la photo ou pas. Enfin, bon, vous verrez bien. je la fais en duo avec Armel. C'est-à-dire qu'Armel a commencé à peu près en même temps que moi et du coup. On se suit pour cette broderie. Ici, un nouveau du encore un duo que je fais avec Céline. Donc, on brode chacune un lily-point, mais sur le thème du chat. Mais on n'a pas choisi le même modèle. Voilà. Donc, moi, voilà le mien. Je vous remets la photo de l'ouvrage l'ouvrage terminé. Voilà, oui. Et donc cette semaine, j'ai brodé toute la phrase qui est ici en bas et qui dit qui s'échappe de votre félin. Donc la phrase en entier, c'est tendez l'oreille et délectez-vous des ronronnements qui s'échappent de votre félin. Voilà. Et je vous remets également la photo de la broderie de Céline et également la photo de l'ouvrage terminé. Voilà, pour que vous sachiez ce que Céline, elle brode. Alors, Lily Point, c'est fait. Les Floralies, c'est fait. Niveau petite broderie, si je pense que j'ai un. Ah oui, j'ai encore celle-ci. Alors. Celle-ci fait partie du September Sampler. C'est mon Long Dog Sampler, le Two Mains Maurice. Voilà. Je vous montre les couleurs. Et j'ai brodé la licorne qui est ici. Voilà. Toute la licorne est faite.
Donc ici, je brode sur une toile de lin, 16 fils. Super agréable hein, à broder. Il n'y a aucun problème avec cette toile. Donc voilà. Il est vraiment très très beau. Regardez les reflets, les changements de couleur qu'il y a dans ce fil. Donc celui-là, je le brode. Alors, je vous le montre à chaque fois, mais comme ça pour les nouveaux sur la chaîne, avec le fil multicolore. Ce n'est pas une variation, c'est un fil multicolore DMC et c'est la couleur nuit canadienne. Voilà. Il est, oh, pardon. Il est vraiment très très beau. Alors celui-ci, qu'est-ce que j'ai brodé? Alors celui-ci, j'ai fait 322 croix. J'en suis à 2623 croix, soit 6,67%. Voilà. Alors niveau des, enfin petite entre parenthèses. Hein, c'est parce que les autres sont sur les grands cuisnaps. Donc, je les appelle mes grandes broderies. Ici, je vais remettre en place les petites pour moi avoir plus de place sur ma table. Et on continue donc avec les grandes broderies. Il y en a encore une, deux, trois, quatre. 4, 4, 4. Je sais rien. Ouais, j'en ai encore en avoir 4 ou 5 à vous montrer. Moi, ça va me prendre 5 minutes, mais vous, ça vous prend un dixième de seconde. Regardez, je suis déjà là. Vous avez vu, j'ai pas été longtemps. Hein. Oh, j'ai oublié de rallumer ma lumière. Oh, mes yeux, ça va. Ça va mieux. Ouh là là. Maintenant, je vais vous montrer donc les grandes broderies, celles qui sont sur les grands cuisnaps. J'en ai profité pour me prendre un petit verre. Voilà. Bon, je vais les prendre en suivant. Oui. Ma steampunk. Alors, je suis contente d'avoir brodé dessus cette semaine. Ça faisait... Bon, elle avance pas beaucoup. Mais elle a quand même avancé cette fois-ci. Alors, je l'ai faite mardi. Et mardi, je n'ai eu le temps de faire qu'une seule broderie. Et donc, j'avais fait celle-ci. Donc, la steampunk. Voilà. Donc là, c'est toujours ici son chapeau. Là, il y a une rose. Bon, il reste pas beaucoup pour la terminer. Et là, j'ai commencé. Du coup, j'ai un peu dévié. J'ai commencé le premier rouage qui est sur son chapeau. Voilà. Donc là, on ne voit pas bien comme ça sur l'écran, mais il y a des tons marron. Il y a, bon, là, c'était beaucoup des bleus, des noirs. Et ici, on commence à voir du marron foncé. Voilà. Mais bon. Alors, j'ai hâte que cette première partie ici soit finie. Comme ça, je commencerai bien à voir le chapeau, les fleurs, les rouages. Et son visage va venir un peu ici quelque part, je crois, le début de son visage. Donc celle-ci, j'ai fait 554 croix. Donc je vous dis, j'ai travaillé toute cette partie-là, un petit peu ici dans le chapeau, un peu ici. Voilà. Donc en tout, il y a 554 croix de faites. J'en suis à 4229 croix,
c'est pas beaucoup, hein, et quand je vous donnerai le pourcentage, vous verrez que c'est pas énorme. C'est 3,52%. Voilà. Mais je l'aime bien. Bon, c'est vrai que là, j'ai dévié un petit peu, donc je dois compter un peu plus mes points. Mais bon, de toute façon, je fais avec Pattern Keeper, donc ça va. Je peux pas me... Normalement, je peux pas me tromper. Mais des fois, ça m'arrive que je décale d'une croix ou deux. Mais là, du coup, avec Pattern Keeper, je vois tout de suite. Et je corrige tout de suite si j'ai une petite erreur. Mais non, voilà, voilà. Alors, la rose, on commence à la deviner ici. Ouais. Donc, je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, celui-là, je peux le cocher. Je vous l'ai montré. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, celui-là, oui, j'ai fait celui-ci. Alors, je m'excuse encore, hein, je suis un peu moins vive aujourd'hui sur ma vidéo. Ça ira mieux la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Alors, hop, voilà. Celle-ci, je vous ai fait une vidéo. Je brodais avec vous, enfin en musique. C'est mes pans royaux. Voilà, donc en vidéo, vous avez vu cette partie-là. Donc, c'est ce que j'ai brodé cette semaine. Et cette partie-là est faite en fil étoile. Donc, c'est le C550. Le reste est fait aussi en en coton mouliné 550, donc DMC. Hein. Là, c'est du fil étoile également. Et là aussi, bien sûr. Puisque là, moi, bon, je travaille en miroir. J'essaye de... Quand j'ai fait un motif d'un côté, ben, j'essaye de faire le motif de l'autre côté avant de continuer. Comme ça, ben, je trouve que c'est plus joli. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, celle-ci. Donc, c'est un modèle All Forest. C'est un modèle payant, hein, par contre. Vous pouvez l'avoir en PDF si vous le souhaitez. J'ai fait 253 croix. En tout, j'en ai déjà 6652 de faites. Et là, je suis déjà à... Enfin, déjà, tout est relatif. À 20,73%. Bon, il me reste 80% à broder. Ça va. Donc, toujours une toile étamine 12.6 fils, rose vintage. Voilà. Ça m'énerve, ces changements de couleur sur le téléphone. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Toujours autant. Je trouve très sympa. Donc, celui-là, je vous l'ai montré. On est à combien? Ouais, 40 minutes, vous voyez. On va quand même essayer d'atteindre les 1 heure. Hein. Ouais, je vais les atteindre, les 1 heure, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça c'est quoi? Non, ça non, je n'ai pas fait. Oui. Alors, j'ai travaillé aujourd'hui sur une seule broderie. Bah, du coup, qu'on s'est occupé de Fifi, que j'ai eu le vétérinaire, que c'était un peu compliqué. J'ai travaillé sur mon HAED, donc celui du paysage. Hein. Je vous aurais remis la photo très certainement. Voilà. J'ai attaqué la deuxième montagne. Voilà. Donc là, c'est la première. Et ici, j'ai attaqué la deuxième. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait aussi quelques petits points ici, par-ci, par-là. Là. Voilà. On les voit là, à travers les fils aussi. Mais je suis contente d'avoir avancé, d'être arrivée à la deuxième montagne.
ça prouve que ça avance. Alors, par contre, maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse la prochaine fois, par exemple, bon, si je me dis, bon, tiens, je vais faire 300 croix, hein, je vais essayer, par exemple, de faire 150 croix par ici, mais je vais en refaire 150 par ici aussi, parce qu'il faut, il faudrait quand même que je continue d'avancer le ciel. Voilà. Pour pas dire de me... Bon, là, je peux pas me la... je vais pas me lasser, là, puisque c'est... Maintenant, il y a des changements, il y a des formes, mais ici, il faut absolument que j'avance aussi pour ne pas me laisser pour après et puis que je me lasse de faire le ciel. Voilà. Mais celui-là, j'aime toujours autant de le faire. J'ai fait donc 300 croix aujourd'hui. Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait une tache sur mon autre toile. J'ai fait 300 croix. Bah, du coup, j'ai pas pu en faire plus aujourd'hui. Ça y est. Attention, je suis armée. Toujours des mouches. Il fait froid, mais il y a encore des mouches. 300 croix, j'ai brodé 7825 croix en tout. Et je suis à 5,79%. Il me reste 85% à broder. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus autant. Mais bon, non, c'est un modèle que j'aime bien et j'aime vraiment bien le broder. Et j'ai hâte d'avancer parce que vous avez vu, il va y avoir le village après. Et là, il va y avoir plein de formes, plein de couleurs. Ça va être super intéressant à faire. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Ça, c'est bon, je vous l'ai montré. Ah, mais j'en ai plus qu'une à vous montrer. Celui-ci. Alors, c'est un duo que je fais, hop, avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. C'est le sampler 124. Voilà. Donc là, nous, on brode chaque semaine 300 croix. Donc celui-là, c'est vraiment un obligatoire. Je ne vais pas dire que je me force à le faire, hein. Au contraire, je le fais avec plaisir. Mais c'est comme le Lily Point, il faut absolument que je le fais chaque semaine quand même. On fait 300 croix, pas une de plus, pas une de moins, par semaine. Voilà. Donc là, j'ai terminé la frise ici et j'ai commencé. Ce qu'il y a à l'intérieur de ce carré ici. Alors là, j'ai fait avec deux couleurs, voyez. Donc c'est n'est fait qu'avec du fil étoile DMC. Donc l'entourage est en jaune et les bleus, j'ai un bleu marine, enfin un bleu foncé et un bleu turquoise. Voilà. Enfin, ce serait plus un bleu. Oh, j'ai fait. Mince, je l'avais sur le bout de la langue, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je fais des petites parties en bleu turquoise et des parties en bleu foncé. Voilà. Comme ici, la frise, vous voyez, j'ai utilisé les deux couleurs pour le faire. Donc, je brode sur une toile étamine. Donc, je prends 6 fils, voilà, excusez-moi. Alors, par contre, je ne sais pas si j'ai reçu. Alors, c'est couleur bleu canard. Est-ce que j'ai reçu la photo de Sonia? Je vérifie une petite seconde. Elle est où? Elle est là. Non, je ne l'ai pas. À l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas eu. Mais bon, au niveau du montage, alors attendez, je vais lui demander.
sais pas si elle est en ligne, mais bon, je vais voir si elle me répond. Donc là, c'est couleur bleu canard. Et Sonia le fait également sur une étamine 12 points 6 fils, mais couleur rubis. Voilà. Bah écoutez, elle, bon, si j'ai eu la photo de son avancée, ben, je vous l'aurais mis. Mais là, elle ne doit pas être connectée. Donc, ce n'est pas très grave. Il y a un petit décalage horaire entre nous. Hein. Moi, en France, elle au Québec. Donc, il y a un petit décalage horaire quand même. Donc, voilà. Allez, je pose. Bah écoutez, moi je vous aurais montré le peu de broderie que j'ai. Enfin, certaines vont dire, t'appelles ça pas beaucoup. ouais, alors attendez, il y en a que j'ai pas stabiloté. Celle-là, donc je l'ai faite. Et celle-là, je l'ai faite. Voilà. Je stabilote en même temps, comme ça je sais ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. C'est plus clair dans ma tête. Voilà. Alors, je vous disais que chaque semaine, je me fais un petit challenge perso. C'est-à-dire que je prévois de faire minimum 3000 croix par semaine. Alors, cette semaine, malgré que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup brodé, mon challenge est bon. C'est-à-dire que je suis à 3784 croix. Ah, bah c'est bien. Elle m'a répondu, Sonia, elle me l'envoie ce soir. T'as vu, Sonia, je te parle en même temps sur la tablette. Voilà. Voilà. Je parle à Sonia en même temps. Coucou, Sonia. Voilà. Oui, désolée, du coup, je me suis... oui, donc, j'ai bien dépassé mes 3000, mes 3000 croix. J'en ai fait 784 en plus. Bon, c'est moins que la semaine dernière. La semaine dernière, j'en avais fait 4447. Voilà. Mais bon, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, il y a... Voilà, il y a des semaines où on a plus de temps, moins de temps. Il y a les choses de la vie, comme je vous ai expliqué, ben, qui viennent un peu se mettre en même temps dans nos petits emplois du temps. Mais voilà. Vous savez que maintenant, je vous parle également... Alors, avant de vous parler du reste de ma semaine... Je vous parle un petit peu de ce que j'ai regardé au niveau des... Non, je fais des bêtises, voilà, c'est bon. Voilà. Au niveau des vidéos YouTube, voilà, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Alors, qu'est-ce que j'ai regardé de beau cette semaine? Une chaîne, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas regardée, c'est la chaîne de Jolie d'Épée. Beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé de ses vidéos. Désolée. Et bah, j'aime toujours autant ce qu'elle fait. Elle fait aussi beaucoup de broderies comme Caroline Ménig, tout ce style-là. J'aime beaucoup. C'est toujours très coloré, c'est toujours vraiment très joli. Elle fait aussi un peu d'estampé, mais même l'estampé, les modèles qu'elle a sont vraiment très mignons. Donc je vous invite, si vous la connaissez pas, si vous connaissez pas Jolie d'Épée, ben, je vous invite à aller découvrir sa chaîne.
et à vous y abonner si ça vous plaît. Les chaînes dont je vais vous parler, de toute façon, je vous les mets en barre d'infos. Voilà, comme ça, vous pourrez cliquer dessus et directement aller voir ces jolies chaînes. Une autre chaîne que je regarde régulièrement, alors pareil, je regarde souvent le dimanche, parce que je sais qu'elle met une vidéo le dimanche matin. C'est pareil, vous la connaissez peut-être, c'est L'eau demoiselle. Donc elle, ce n'est pas de la broderie, c'est du tricot. C'est du tricot circulaire. J'adore ce qu'elle fait, malgré que moi, je ne fais pas de circulaire. Mais elle a une productivité en tricot phénoménale. Voilà, bon, elle ne fait que du tricot, hein, mais quand même, je ne sais pas combien de tricots elle a déjà tricoté depuis qu'elle tricote, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Bon, il y a beaucoup de modèles que moi, je ne saurais pas faire, mais voilà, j'adore sa chaîne. J'adore la personne, j'adore elle est toute douce, elle est vraiment très, très sympa et j'aime vraiment beaucoup regarder ses vidéos. Donc, si vous ne la connaissez pas, ben, n'hésitez pas non plus à aller la voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui, une chaîne que je ne connaissais pas. Donc là, elle a fait un Floustube, le Floustube numéro 12, mais je ne connaissais pas du tout cette chaîne. Et là, elle a fait une rétrospective de ce qu'elle a fait depuis un an. Et j'ai bien aimé regarder sa vidéo. Donc, je pense que j'en regarderai encore d'autres, hein, mais là, c'est déjà le Floustube numéro 12. Mais je ne la connaissais pas du tout d'avant, sauf erreur de ma part, puisque je regarde quand même beaucoup de vidéos. Donc, sa chaîne, c'est Dans l'Issine. Voilà. Donc, elle fait de la broderie et j'aime beaucoup les modèles qu'elle fait. Voilà. Alors, je suis en train de chercher. Non, elle ne les avait pas mis là. Il y avait un modèle que j'avais vu qu'elle faisait. Oui, elle fait aussi des petites maquettes. Vous savez, les petites maquettes qui sont vendues chez Action. Elle fait du DP. Elle fait un très joli DP là, en ce moment, assez grand. Oui, c'est ça. Elle fait en ce moment des pochons pour faire un calendrier de l'Avent à ses enfants. Et elle coud chaque pochon et sur chaque pochon il y a une mini broderie. Je trouve ça très sympa. Les petits motifs qu'elle brode sont vraiment très mignons. Voilà, je regrette pas d'avoir découvert sa chaîne, mais bon, je vous dis, je sais pas pourquoi. C'est sur YouTube, vous savez, YouTube des fois vous propose des chaînes et je suis vraiment tombée comme ça par hasard dessus. Elle a pas mal de points comptés également et voilà, donc c'est une multi en cours, hein, comme nous. Donc voilà, si vous la connaissez pas, bah, écoutez, n'hésitez pas non plus à aller voir sa chaîne pour la découvrir comme moi. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Diamant Folie de Sonia. Oh là là, je me mélange tous les pinceaux. Je suis fatiguée, je crois. Attendez. Je me suis fait un petit mémo, mais juste que je retrouve mon mémo. Diamant Folie, Mélanie. Alors, ah oui, mea culpa. Je vais vous reparler de la vidéo de Mélanie. La semaine dernière, alors c'était où? Où est-ce que j'ai vu?
Bon. Ah, bah mince, attends, je cherche le nom de sa chaîne. Je vais le retrouver, hein. C'est Mélissa, mais le nom de sa chaîne, oh, c'est une catastrophe. Il faut que je note. Il faut absolument que je note. Parce que c'est plus. C'est pire qu'un bocal de poisson rouge, ma tête. Mélissa, je crois que c'est là. Oui, ça y est, j'y suis. Alors, la semaine dernière, je vous parlais que j'avais regardé la vidéo de Mélissa. Donc, la chaîne, c'est les passions de Mélissa. Et je vous disais qu'elle avait un accent québécois, blabla, voilà, que son accent était superbe. Bon, je ne sais plus les mots exacts que je vous ai dit, mais. Et quand je vous ai mis la vidéo en ligne, dans ma tête, je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi je dis qu'elle a un accent québécois alors qu'elle est française? J'ai confondu Mélissa et Mélanie. Voilà. Donc, Mélissa, c'est les passions de Mélissa. Et Mélanie, c'est Diam en folie. Alors, encore toutes mes excuses, hein, Mélissa. C'était vraiment. Il y en a trop des fois dans la tête. Alors, ça se bouscule et puis ça ressort un peu tout mélangé. Là, je vous parle maintenant que j'ai regardé la vidéo de Mélanie qui a un accent québécois. Là, je me trompe plus. Et qui nous a présenté donc comment je vais expliquer? Non, c'est pas un livre. C'est un carnet de broderie qu'elle a fait elle-même, qu'elle a composé elle-même, elle a tout décidé. Et moi, je vous en reparlerai, mais c'est parce que je ne le trouve pas encore sur le Amazon français. Donc, dès qu'il est sur Amazon en France, je le commanderai pour vous le présenter. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vous mettrai le lien. Et le livre qu'elle a, enfin le carnet de broderie qu'elle a fait, qu'elle a pensé, qu'elle a inventé, qu'elle a écrit, est vraiment magnifique. Il est très très bien pensé. Elle n'a rien oublié, hein, je pense pas. Mais bon, si moi j'aurais bien une petite idée, un truc qu'elle pourrait encore rajouter. Mais bon, là, on ne sait jamais pour une prochaine sortie de son carnet de broderie. Une petite liste à mettre à la fin avec toutes les références DMC et puis que l'on marque bah, combien on en a. Voilà. Ça, ce serait bien. Mais bon, je ne sais pas si ce serait possible. Mais bon, c'est une idée que je te glisse comme ça, Mélanie. C'est. Au cas où, si un jour tu refaisais ton carnet de broderie, d'intégrer peut-être ça, pourquoi pas. Non, mais il est déjà très, très complet. Il est vraiment superbe. Allez absolument voir sa vidéo. Ça s'appelle Mon nouveau projet disponible sur Amazon. Et je vous jure que vous allez adorer. Donc là, moi, il n'est pas encore sur Amazon France, mais Amazon à l'étranger, donc bah, au Québec, au Canada, tout ça, il est déjà dessus. Donc là, vous pouvez le commander si vous êtes par là. Donc j'ai regardé cette présentation et que j'ai trouvé nickel sublime. C'était vraiment top top. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense avoir fait le tour.
j'ai regardé encore. Non, ça c'est ma vidéo à moi. Hein, je... j'ai regardé. Alors, attendez, je me rejette un œil. C'était. C'était quoi comme vidéo? Est-ce que c'est. Ah non, 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 rien à voir. Rien à voir. Non, bah, je crois que je vous ai tout montré. Oui. Si j'ai regardé aussi la vidéo, enfin les deux vidéos, j'en ai regardé deux, de Sabrod. Donc c'est Sabine BLZ sur Facebook et sur sa chaîne YouTube, c'est Sabrod. Sabrod, pardon. Elle a fait un vlog, mi-revue, avec du Caroline Menning. Et la deuxième vidéo que j'ai regardée d'elle, c'est deuxième revue de la semaine où le journal de Point de Croix compté et estampé. Donc elle vous montre ce qu'elle est en train de broder, voilà tout ça. Pareil, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est encore une petite chaîne, hein. Mais bon, il y a déjà un peu plus de 10 vidéos dessus. N'hésitez pas à aller la découvrir, elle est très sympa. Et puis voilà. Et j'aime bien ces vidéos. Bon, c'est vrai que moi, quand je regarde les vidéos, je ne mets pas toujours des commentaires, pas parce que je ne veux pas. C'est juste que quand je regarde une vidéo, bon, soit je regarde sur ma télé, soit je regarde sur mon ordinateur, mais en train de broder. Voilà. Donc des fois, je ne mets pas de commentaires. Je clique quand même sur le j'aime, mais je ne mets pas de commentaires. Ou alors, je vais mettre un commentaire, mais peut-être après, ou même des fois, plusieurs jours après, j'irai remettre un commentaire. Voilà, mais sachez que je regarde beaucoup de vidéos, je regarde ouais, les vidéos de copines, de pas copines, ou qui sont pas encore copines avec moi. Voilà, donc j'aime bien aussi regarder les nouveautés, bah, comme tout à l'heure, hein, la chaîne que je vous disais dans l'ICE. Alors. Alors, est-ce que c'est... je ne sais pas comment ça se prononce exactement du coup. Dan Lissine. Voilà, mais bon, de toute façon, je vous l'aurais écrit en barre d'infos. Voilà, j'aime bien découvrir des nouvelles chaînes. Alors, de temps en temps, je regarde aussi des chaînes américaines où je ne comprends rien de ce qu'elles disent, bien sûr. Alors, quand il y a moyen, parce que des fois, on ne peut pas sur toutes les vidéos, quand il y a moyen, je mets les sous-titres. Mais dans ce cas-là, je les mets en grand, taille max. Parce que si je suis en train de broder, ben je ne peux pas toujours voir ce qui est écrit. Si c'est, voilà. Mais bon. Mais j'aime bien aussi regarder donc, les chaînes américaines. Elles ont ces broderies des fois. Elles sont encore plus folles que nous. Donc voilà, ben je vous ai fait ma petite récap vidéo de la semaine. J'espère que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous plaisait que je fasse ça. Ça vous permet bah, de découvrir des nouvelles chaînes, hein. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ces chaînes pour découvrir leurs univers. Allez, je me fais une pause de... Il est quelle heure? 22h30. Ah, bah, on est quand même à 1h04. Voilà. Non, avant d'arrêter, enfin, pas d'arrêter, de vous parler de la suite. Il y a une broderie que je mets en stand-by. Pour l'instant, je ne la broderai plus. Alors, peut-être que je la reprendrai plus tard, ou peut-être pas. Je ne sais pas. Alors, si je ne la reprends pas, il faudra que je vois si j'arrive à démonter ce que j'ai brodé. Ou alors, voir ce que j'ai brodé et
récupérer le peu que j'ai brodé et en faire un tout petit cadre, voilà, voir s'il y a moyen ou pas. Mais bon, je verrai, j'en suis pas là. Mais pour l'instant, j'ai mis donc en stand-by, donc j'ai mis de côté mon Halloween Quaker. Je n'accroche pas du tout. J'accroche pas dessus. Il est très beau, hein. Ça, j'en disconviens pas. Mais j'accroche pas dessus. Alors, pourquoi j'accroche pas dessus? Parce que pourtant, c'est du Quaker, donc j'aime bien ça. Mais c'est le thème Halloween. Alors, vous allez peut-être me dire, ben, t'aurais pas dû le commencer. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas dû commencer. Mais, alors, Halloween, déjà, comme ça, c'est une fête dont j'ai horreur. Enfin, on va pas dire horreur. Enfin, malgré que horreur, Halloween. Ça, c'est une fête que je n'aime pas. Je trouve que c'est. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais bon, je trouve que c'est une fête inutile. De toute façon, nous, dans notre coin, ça ne se fête pas du tout. Et d'ailleurs, même les enfants qui viennent frapper aux portes pour les bonbons, bah, on n'en voit plus. Il n'y en a plus qui. Ça fait 2 ans de suite qu'il n'y a même plus d'enfants qui viennent frapper à la porte. Non, c'est une fête que j'aime pas. Voilà. Bon, je sais que c'est plus, comme je disais à mes copines du Québec, c'est plus une fête bah, par chez elles, le Québec, le Canada, l'Amérique, le Mexique. Voilà, c'est plus une fête qui est plus ancrée là-bas. Nous en France, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Bon, je sais pas combien d'années, mais ça ne fait pas, c'est pas si énorme que ça. Et de toute façon, non, j'arrive pas. Donc pour l'instant, je l'ai mis en stand-by. Peut-être que je vous dis, peut-être qu'un jour je le reprendrai, ou alors je ferai un petit morceau une fois, un petit morceau par là, un petit. J'en sais rien, mais pour l'instant, non, je ne veux plus broder dessus. C'est pas la peine, je prends pas de plaisir à la broder. Je vous le dis quand même encore, mais elle est très belle, mais je prends pas de plaisir à la broder. Et donc, si c'est pour broder sans plaisir, c'est pas la peine. Voilà. Bon, ce qui m'embête le plus, c'est qu'elle est. J'avais commencé donc sur une toile de lin. Et donc, si vraiment je serais pour démonter ce que j'avais brodé, il faut que je voie ce que la toile ne soit pas abîmée. Donc, je verrai, parce que ça m'embêterait de perdre ma toile de lin. Bon, sinon, comme je dis, hein, j'enlève le petit morceau, mais comme le morceau est fait au milieu, mais bon, on verra bien. Donc celle-là, vous ne la verrez plus pour l'instant et peut-être vous ne la verrez plus jamais. Voilà. Allez, je me fais une pause de 5 minutes pour ranger les broderies et je vous montre la suite. À tout de suite. Me revoici. Vous avez vu comment c'est calme, tout le monde dort. Ils sont tous fatigués aujourd'hui. Jerry parce qu'il n'est pas en pleine forme. Fifi parce qu'on lui a fait des misères en la brossant. Ça l'a tué. Et Pacha, bah, il dort, mais il a été, bon, on ne va pas dire insupportable, mais il a été énervé toute la journée avec son copain qui était malade. Ça l'a un peu perturbé. Donc là, tout le monde dort. J'ai avancé un petit peu mon coloriage. Vous savez que j'ai repris un petit peu le coloriage, mais en douceur. J'ai repris en douceur. Je brode en. Je brode, oh là, ça y est, ça commence. Je colorie en ce moment ce livre sur les mandalas que j'ai eu chez Action.
Et j'avais déjà fait, donc je vous remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'avais déjà fait un premier mandala, celui-ci. Je l'ai fait en feutre à alcool. Et là, depuis 15 jours, je crois. Donc vous allez dire 15 jours pour faire ça. Oui, mais comme j'en fais un petit bout de temps en temps, ça n'avance pas vite. Je suis en train de faire celui-ci. Et celui-ci, je le fais au crayon de couleur. Alors, avec les Prismacolor, je crois. Oh, j'ai un doute. J'ai pas ma trousse sous la main là. Je crois que c'est les Prismacolor ou les. Non, c'est les Prismacolor, je crois. Ouais. Voilà. Il y a un petit peu de feutre dedans. Alors, c'est les feutres fins de. Mais alors, je suis désolée, vraiment, je suis désolée, mais je suis un vrai poisson rouge en ce moment. J'oublie tout, j'oublie tout. Donc, je suis vraiment un poisson rouge. Bon, c'est pas grave. Je le fais avec des feutres extra fins, des petites parties. Voilà. On va dire, là, vous voyez, il y a des petits points. Là, dans les petits pistils des fleurs, donc ça, je les avais fait avec des feutres. Après, j'ai fait là, vous voyez, les petits ronds jaunes, comme ça. Où est-ce qu'il y en a encore un? Là, par exemple, voilà. Ça, j'ai fait avec le feutre extra fin. Parce que bah, c'était vraiment très, très, très petit. Donc, c'était la meilleure façon de bien les colorier. Sans qu'il y ait de dépassement et puis que ça ressorte bien. Donc là, j'ai continué. Donc j'ai fait surtout ici l'intérieur. Voilà, j'ai fait surtout l'intérieur. J'ai fait aussi un peu des fleurs à l'extérieur. Je crois que j'ai fait celle-ci, celle-ci et j'ai commencé celle-là. Voilà. J'aime beaucoup le résultat. Là, ça va être quand même assez coloré et c'est vraiment tip top. J'aime beaucoup. Donc, je reprends un petit peu le coloriage comme ça, un petit peu à la fois. Je ne me suis pas encore remis pour l'instant sur mes coloriages classiques. Quand je dis classique, bah, ce n'est pas des mandalas, c'est des personnages, vous savez. Comme vous avez pu voir des fois sur mes anciennes vidéos, j'en reprendrai, j'en referai, puisque j'ai quand même pas mal de livres de colo. Et bon, c'est bête de les avoir et qui sont sur une étagère, et puis que voilà, que je ne fais plus rien dessus. Donc, un petit peu à la fois, je reprendrai. Là, pour l'instant, je vais finir ce mandala fleuri. Mais j'aime vraiment beaucoup le résultat avec les couleurs que j'ai choisies. Voilà. Ça détend un petit peu aussi. Et puis ça change d'être toujours le nez sur ma broderie également. Bon, j'adore ça. Hein. J'adore ça. Mais de changer un petit peu comme ça. Ça, je l'avais fait dimanche en fin d'après-midi, je crois. Voilà. Du coup, je fais le coloriage surtout le dimanche. Et ça me change un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, pas grand-chose. J'ai fait un petit peu mon tricot et mon crochet. Alors, hop. J'ai pas fait énormément de rangs. Alors, je vais vous les compter. 1, 2, 3, 4. Je suis en train de faire le quatrième rang seulement. C'est mon châle que je fais au crochet. Voilà. C'est un modèle super simple. Hein. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de changement de couleur. C'est toujours le même point. Voilà. Mais c'était parce que j'avais ce fil. Je ne savais pas quoi en faire. Et donc, c'est ce fil ici, c'est du pingouin Esterel 3 Lurex. Voilà, couleur rouge. Et vous voyez, il y a des petits fils brillants dedans.
Il est très doux, hein. C'est un coton, 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 oui, 96% de coton et 4% de polyamide. Le polyamide, ben, c'est les petites touches brillantes que l'on a sur le fil. Donc là, bon, comme je vous avais montré la semaine dernière, bon, il n'est pas encore fini. Vous voyez, si je veux le mettre comme ça, il faut encore que ça a avancé un petit peu. L'autre jour, c'était là, hein. Là, ça a avancé un petit peu, mais j'ai encore besoin de, voilà, pour que je puisse le nouer, ou voilà. Et sinon, alors, il est chaud, il est doux, malgré que c'est du coton, mais ça va, j'aime vraiment beaucoup. Donc, là, alors je vous montre. Alors là, il faut que je fasse un changement de pelote. Vous voyez, je suis à la fin de ma pelote. Et voilà où j'en étais la dernière fois. J'en étais là. Et donc, j'ai fait cette partie-là. Alors, je vais mettre ma main. Ça ira mieux. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup avancé non plus. J'ai fait, je vous dis, 4 ans. Mais bon. On n'est pas encore l'hiver, 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 hein, donc ça va, il sera terminé. Alors, c'est un modèle tout simple que j'ai pris chez Obi. Et voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors, certains d'entre vous m'ont demandé si je pourrais faire un tuto pour le démarrage de ce châle. Oui, je vous en ferai un, hein, comme je vous ai dit la semaine dernière. Je vais prendre une autre pelote et je vous ferai un début de châle avec une autre pelote. Voilà. Oui, j'aime beaucoup. Il est trop, trop beau quand même. Tout simple, mais très beau. Et bon, il n'est pas lourd, hein. Là, j'ai fait. J'ai dû faire 4 pelotes, je crois. Ouais, je crois que j'ai fait 4 pelotes. Et là, ce sont des pelotes. Oh, tiens. Ah non, je croyais que c'était un nœud dans la pelote. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 105 mètres, plus ou moins 105 mètres. Voilà. Donc ça, c'est des pelotes que j'avais eues dans un lot mystère chez Fil d'Art. Donc Happy Wool, maintenant qu'on dit. Mais bon, c'est ce qui fait qu'en s'appelant Happy Wool, ils ont réuni Fil d'Art et Pingouin sur une seule marque. Ils font des colis mystères. Vous avez 30 pelotes. Ouais, c'est ça, 30 pelotes. Vous ne savez pas ce que vous recevez. Et vous payez ça 30 euros. Mais moi, quand j'avais fait mon colis mystère, c'était 30 euros, mais on avait encore 40 pelotes. Ils en ont enlevé 10 maintenant. Mais bon. Tout augmente, hein, mais bon. Et donc voilà, donc avec du pingouin. Ensuite, j'ai alors pareil, j'ai pas fait grand chose. J'ai eu du mal à me comment à me fixer sur des choses vraiment cette semaine. J'espère vraiment que ça ira mieux la semaine prochaine. J'ai tricoté, enfin j'ai travaillé sur mon pull Bergère de France. Voilà. Donc le pull, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, oui, non, mais c'est grave, hein. Je vous jure que c'est grave. Alors, le nom de ce pull. Le pull court duveteux, sauf que moi je ne le fais pas court. donc voilà. Là, je suis arrivée à... Il est où mon compteur? Mon compteur, il est là, mon petit compteur. Voilà, j'adore ce compteur. Hop, voyez. Je suis arrivée à 80 rangs. J'en ai encore une dizaine à faire pour arriver aux emmanchures. Et là, donc, j'ai fait cette semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, toujours 8 rangs de fait.
Bon, voilà. Alors, il est très doux, vraiment très doux. Il est super souple. Non, il est vraiment très beau. J'aime bien la couleur. Ça fait un peu couleur jean. Alors moi qui est toujours en jean, justement, bah, ça va être très bien. Mais il est vraiment tip top. Et alors, il est poilu, hein. Attends, je vais peut-être vous montrer avec la pelote, vous verrez mieux. Vous voyez, il est tout poilu. C'est pour ça que ça s'appelle le pull lufteux. Non, mais cette laine, elle est vraiment bien. Alors, pour vous savoir si une laine va gratter sur vous, vous la frottez ici. Bien, je sais, c'est pas là qu'on met un pull, mais cette partie-là est la plus sensible. Et puis, vous la frottez sur votre cou et vous saurez si ça va vous gratter ou pas. Il y a des laines qui, par exemple, ne vont pas gratter à certaines personnes, mais elles vont gratter sur d'autres. Voilà. Et contraire, c'est pareil. Donc, mais celle-là, non, elle est vraiment douce, elle est vraiment chouette. Alors, c'est la laine Flocon, voilà, donc de Bergère de France. Et c'est le coloris Hussard. Voilà. Donc là, ce sont des pelotes qui se tricotent en numéro 5 et qui sont en 56% de laine, 25% d'acrylique et 19% de polyamide. Et ce sont des pelotes de... Ah ben voilà. Alors, j'ai eu la remarque, remarque gentille, hein, c'est... Moi, je n'avais pas fait attention. C'est maintenant en regardant. Bergère de France, bon, de toute façon, comme beaucoup, toutes les sociétés, hein, les prix ont changé ou les quantités ont changé, ou voilà. Et les pelotes, donc je pense que c'est sur les nouvelles. Celle-là, elle fait combien? Là, j'en ai une pour un pull que je vais faire. Donc, je vais vérifier. Non, celle-là, c'est bon. Celle-là, elle fait 50 grammes. Voilà. Celle-ci, c'est de la Mérinos lin. Et celle-ci, c'est des pelotes de 45 grammes. Voilà. Donc elle fait 158 mètres. Mais ce ne sont plus des pelotes de 50 grammes. Ce sont des pelotes de 45 grammes. Alors faites attention quand vous commandez. Bon, si vous commandez par rapport à un modèle qui est sur le site de Bergère de France, par exemple, la quantité qu'on va vous proposer dans votre taille, elle sera bonne. Mais moi, je vous donne un conseil quand même. Vous en faites ce que vous voulez. commandez toujours une pelote de plus. Parce que si vous tricotez serré ou tricotez lâche ou voilà, votre façon de tricoter n'est pas la même que moi ou voilà. Donc, prenez toujours une pelote de plus. Et de toute façon, après, si la pelote, vous ne l'avez pas utilisée et que vous avez une pelote de chaque modèle, ben, faites-vous-en une couverture après. Hein, voilà. Ce ne sera pas perdu. Mais du coup, ici, donc, c'est 50 grammes. Donc, si vous faites un modèle à vous, ce n'est pas un modèle Bergère de France, par exemple, mais vous allez faire un modèle... Je sais pas, vous avez sorti un catalogue de votre tête, de n'importe. Il faut que vous sachiez que maintenant, donc, il y a des pelotes de 50 grammes et des pelotes de 45 grammes. Ce qui fait que si celle-là faisait avant 50 grammes, ben maintenant, il vous en faut plus pour tricoter votre pull, puisque maintenant, il manque 5 grammes sur les pelotes. Voilà. Je sais également, alors je ne sais plus la marque, je suis désolée. Si je la retrouve, je vous en reparlerai. Je sais qu'il existe une marque de laine. La pelote, alors, la
pelote fait, c'est marqué, je crois que c'est marqué 50 grammes dessus. Ouais, je crois que c'est marqué 50 grammes. Mais cette pelote-là est accompagnée d'une bobine de fil. La bobine de fil est dans la pelote. Ce qui fait que, si j'ai bien compris, je crois que c'est sur la chaîne de l'eau demoiselle que j'avais vu ça. Ce qui fait que quand, si vous retirez la bobine de fil, qui va vous servir pour coudre les boutons, pour coudre le pull, enfin voilà, ben, il vous reste que 45 grammes de laine. Alors, il faut... Faites bien attention à ces petites choses-là. C'est pour ça que des fois, vous allez tricoter un truc et vous allez dire, mince, j'ai pas assez de laine, c'est pas... Ben oui, c'est pas normal. parce que ben, les pelotes ont diminué. Voilà. Alors, pingouin, fil d'art, je ne sais pas, puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas commandé chez eux. Donc, les nouvelles laines, je ne sais pas. Pas du tout si le grammage a baissé ou pas, mais en tout cas chez Bergère de France, faites attention. De toute façon, c'est toujours marqué dans le descriptif hein, de la laine. Vous avez des pelotes qui font encore 50 grammes, mais vous en avez maintenant qui font 45 grammes. Voilà. Et je pense que c'est ça qui leur permet de moins augmenter les prix. Ils mettent moins de matière. Mais bon. On ne peut pas leur en vouloir. Hein. De toute façon, tout le monde est à la même enseigne. Hein. Maintenant, toutes les sociétés essayent de faire des économies ou de gagner de l'argent. Mais bon. Donc, faites attention à ça. Regardez bien si vous avez des pelotes de 50 grammes ou des pelotes de 45 grammes. 5 grammes de différence, c'est énorme. Hein. Ça vous fait beaucoup de laine hein, quand même. Donc voilà. Je devais déjà vous en parler la semaine dernière, mais j'avais oublié. Et c'est là maintenant en vous disant. Alors du coup, c'est pour ça que je vous disais. Donc là, c'est 45 grammes, 100, oh, 158 mètres. Voilà. Et par exemple, la Mérinos, j'avais dit 50 grammes, mais ça fait 125 mètres. Voilà. Mais là, ça se tricote en 4. Voilà, bon, ben, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Pff, pas fait grand-chose. Il y en a qui vont me dire, t'es folle, t'as pas fait grand-chose. assez papoté. Bon, 1 heure et demie de vidéo. C'est déjà pas mal. 1 heure et demie. Mais je vous dis, la semaine prochaine, j'essaierai de... Comme on dit dans le Nord, de sac et dedans. Voilà. je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Non. Si, bon, j'en ai parlé, vous l'avez vu dans la vidéo hier, quand je vous ai parlé des nouveautés que Sabine avait dans sa boutique. Alors, si vous n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo. Il y en a deux, hein, il y en a une où je vous présente la box et celle d'avant, les nouveautés. Je vous disais donc que... Il y a les calendriers de l'Avent dans la boutique à Sabine. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui fait broderie et papeterie. Je vous en avais déjà parlé hein, plusieurs fois. Si vous ne l'avez pas encore commandé, dépêchez-vous parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Le stock est limité. Et donc, quand je vous ai fait la vidéo hier, entière, je sais plus, il en restait une vingtaine. Voilà, donc alors je vous parle, je ne sais pas combien il en reste, mais il n'y en a plus beaucoup. Donc dépêchez-vous si vous voulez le calendrier de l'Avent. Alors, comme j'avais dit sur mon Facebook, puisque c'est un achat un petit peu plus conséquent que ce qu'on pourrait faire d'habitude, vous avez moyen de le payer en 4 fois par le biais de PayPal. Comme ça, votre mari, il peut rien dire. Voilà. Ça passe en douceur.
Et puis de toute façon, il va être magnifique ce calendrier de l'Avent. Alors, si vous ne l'avez pas encore commandé, allez-y. Bon, c'est mon journal créatif. Ce n'était pas pour faire de la pub, mais quand c'est pour Sabine, voilà. Allez, je vous laisse. Je vais vous faire plein de gros bisous. Encore merci de regarder mes vidéos, de laisser plein de commentaires. Vous m'en laissez de plus en plus. Je suis très heureuse. Je lis tous vos commentaires. Je fais des fois, je vous réponds souvent par des phrases un peu stéréotypées. Je veux dire, c'est toujours un peu la même phrase. Mais si au moins je vous mets un commentaire, c'est parce que j'ai lu le vôtre. Si vous avez des questions, vous voyez que je réponds. Hein. Des fois, avec un plus ou moins de retard, mais je vous réponds. S'il y a des choses urgentes, par contre, que vous voulez me poser une question, mais que c'est vraiment urgent, que vous voulez la réponse rapidement, ça peut arriver, choisissez de m'envoyer un email. Mon adresse est en barre d'infos. Et comme ça, je vous répondrai. Ah, si, j'avais encore une chose à dire. Alors, j'aurais peut-être dû le dire au début de la vidéo. J'ai eu donc le retour de mes trois gagnantes pour le concours anniversaire. Et c'est un petit message pour nos trois gagnantes que je passe. La semaine ayant été mouvementée et je devais aller déposer vos lots aujourd'hui. Et du coup, avec l'histoire du vétérinaire, je n'ai pas pu. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, moi, le lundi, c'est fermé. Mais donc, mardi, j'irai déposer les lots. Et comme ça, vous les recevrez courant de la semaine. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas oublié. Mais la semaine a été trop mouvementée. Et du coup, je n'ai pas pu aller déposer les lots que vous avez gagnés au concours. Voilà. Mais écoute pas. Voilà, ceci dit, maintenant, je vous laisse. Je vous remercie encore tous. Laissez-moi des commentaires. Mettez-moi des pouces. Voilà, ça fait connaître la chaîne, les pouces. Et en attendant, je vous fais... Ah non, on a oublié quelque... On a oublié... On a oublié... La roue. Pardon, je vous ai bousculé. On a oublié la roue. Et vous me dites rien. Oh, vous me laissez dire au revoir, à demain, nanana. Et vous ne me dites pas que j'ai oublié ma roue. Je vous jure. Et bien, on va faire la roue. Je vous rappelle que la roue, c'est pour que je choisis des broderies que je vais broder dans la semaine. En sachant que pour l'instant, tout ce qui est sampler, là, je ne choisirai pas dans la roue. C'est d'office, puisque pour le September sampler, donc il y a le Languedoc sampler, le sampler 124, le Florali de jardin privé, mon Caroline Menning, les Ponts Royaux et le Autumn Quaker. Voilà, ceux-là sont d'office notés sur mon carnet. Et là, je vais en retirer 5. Et il y a aussi, bien sûr, les duos, le Lily Point et Confiture ou les œufs, et les œufs, qui sont eux d'office. Allez. Bon, ça commence bien. Voilà. Hop. J'avais oublié la roue. Mais alors? Ah, le fox. Chouette. Le fox. Voilà. Le deuxième. Le nouvel an. Le sale du nouvel an, qui est très, très en retard, lui. Ah, du coup, la vidéo avance, hein. Caroline Menning. Non, puisqu'il est dans...
dans les September Sampler, il est déjà d'office. Oui, je ne les ai pas enlevés de la roue parce que après le mois de septembre, ouais, le tigre, chouette. Le tigre de Lucas. Ben, les floralis, il est mis d'office également. Ah, mes hérons, chouette. Les hérons de la natte. Et un petit dernier pour la route. Le colibri qui est très en retard également. Voilà, j'ai mes 5 et je rajoute donc, j'aurai le lily point. Bon, je marque confiture hein, puisque il n'est pas fini. Si j'arrive à le finir, ben, j'attaquerai les œufs. Et un estampé, donc ça c'est pour le dimanche soir. Alors j'ai le cheval, j'ai le cerf et la dame celtique de Noël. Ben, j'ai envie de faire la dame celtique de Noël, voilà. Voilà. Et ensuite, donc, dans tout ça, je vais choisir la broderie du lundi. Mais j'ai envie de faire le fox. Voilà, lundi, ce sera toute la journée le fox. Voilà. Le petit renard, vous savez, de Garden... Enfin, vous voyez lequel je vous mettrai peut-être la photo si j'oublie pas. Donc, le fox, je le broderai toute la journée de lundi. Et bien sûr, j'ai mon challenge, comme d'habitude. Des 3000 croix. Voilà. Alors, je vous rappelle ce que je vais faire. Enfin, je vais essayer de faire cette semaine. Pour le September Sampler, le Languedoc Sampler, le Sampler 124, le Florali, le Caroline Manning, le Pan Royaux, l'Automne Quaker et dans les autres broderies, le Fox, ma broderie du Nouvel An, le Tigre de Lucas, les Hérons de la Natte, le Colibri de Poussière d'Étoile, mon Lily Point, ma confiture et Madame Celtique de Noël. Voilà. Et bien sûr, mes tricots et crochets aussi pour le soir. Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai pas beaucoup nommé de, à part pour les vidéos que j'ai regardées cette semaine, j'ai pas nommé beaucoup de chaînes. Mais sachez que tous mes duos, surtout mes samplers, mes quakers, sont principalement faits avec donc mon petit gang des Québécoises. Donc Sonia de la boutique Diamant Rose, Amélie de la boutique Dazing et Diamant, Pascal de la chaîne Les Passions de Passy, Mélanie de la chaîne Diam en Folie, Geneviève de la chaîne Once Upon a Trade. C'est une petite blague entre nous. Et Letty, la chaîne Les Loisirs de Letty. Voilà. Toutes ces magnifiques personnes brodent en même temps que moi certains modèles que l'on fait donc pour le September Sampler. Et
Elles vont continuer, certaines d'entre elles vont continuer avec moi pour les futurs projets que je vous ai présentés cette semaine. Voilà, bon, maintenant je vais carrément arrêter, hein. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère n'avoir rien oublié cette fois. Hein. Bon, de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, bah, vous me le demandez, hein, en commentaire. Et moi, je vais vous faire cette fois vraiment et définitivement plein de gros bisous. Et on se retrouve en meilleure forme la semaine prochaine avec le smile toujours. On essaye. Et aussi avec des bonnes nouvelles de tous mes poilus. J'espère que tout le monde ira bien. Allez, plein de bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous!